Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un tag. Donc, j'ai repéré ce tag sur plein de chaînes américaines. Donc, c'est le tag, le White Girl Tag, ou Common, je sais pas comment ça se prononce. Donc, on va dire le White Girl Tag, on va y arriver. Donc, j'ai que les questions en anglais, donc je vous les mettrai en anglais dans la barre d'infos. Mais, enfin, si on comprend un minimum l'anglais, ça va vite. Si vous entendez du bruit, c'est mon ordinateur qui est à côté. Je suis en train d'uploader des vidéos, donc il fait un peu de bruit. Bref, donc on va commencer avec la première question qui est ma boisson favorite au Starbucks. Et c'est le frappuccino à la vanille au lait de soja. Parce que juste avec le lait de soja, ça passe tellement mieux. C'est délicieux. Et en plus, même si on prend le très grand, on ne se sent pas un peu ballonné à la fin. Donc voilà, j'adore. Combien de temps tu prends pour te préparer le matin? Combien de temps tu mets plutôt? Le matin, genre quand je suis pressée, j'essaye d'aller au plus vite, donc j'essaye de mettre 20 minutes, une demi-heure. Et quand j'ai vraiment le temps, je peux mettre 40 minutes, voire 50. Voilà, quand je prends mon temps. Et que j'ai pas besoin de me laver les cheveux. Voilà, quand j'ai juste besoin de me passer un coup de fer, enfin, voilà. Après, combien de selfies tu prends tous les jours? J'en prends pas si souvent que ça en fait. Enfin, c'est vraiment quand j'adore mon maquillage ou que j'adore ma tenue ou ma coiffure, des trucs comme ça, j'essaye d'en faire plein pour pouvoir les poster sur Insta. Mais en général, ouais, c'est juste parce que j'ai envie de poster sur Insta et que j'essaie de faire des photos. Mais sinon, on va dire que pour poster une photo, j'en prends une dizaine. Pour essayer d'avoir une photo très bien quoi. Après, combien de followers tu as sur Instagram et combien tu as de photos? Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc j'ai 418 abonnés et j'ai 380 publications. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon pseudo c'est April HV. Voilà, il est dans la barre d'infos. Bref. Alors, passons. Est-ce que tu dis LOL ou OMG à haute voix dans la vraie vie? Je dis LOL, genre quand quelqu'un dit un truc de pas drôle, je fais LOL. Ah, genre, je me fous de ta gueule, mec. Ou sinon, je dis Oh my god, genre quand il arrive des trucs trop bien, genre quand je vois mon groupe préféré passe en France, je fais Oh my god. Mais ouais, je le dis. J'évite trop en public, mais je le dis. Est-ce que tu portes les mêmes affaires plus d'une fois? Oui, ça peut m'arriver de porter le t-shirt genre 2 jours de suite. Enfin, peut-être pas 2 jours de suite, mais genre si je le porte le lundi et que je le reporte le mercredi, ça va. Tant qu'il pue pas le rat mort. Enfin, j'attends pas que mes fringues puent pour les laver non plus. On se méprend pas, mais oui, en gros, ça m'arrive de reporter 2 fois la même chose. Voilà. Si je commence à partir dans les détails, on va me prendre pour une grosse crado alors que c'est pas vrai. Es-tu raciste? Non, pas du tout. Cette question, elle est complètement débile. Qui va dire ouvertement genre ouais je suis raciste déjà? Et en plus, qui est raciste? Sérieusement, c'est le truc le plus con au monde. C'est comme l'homophobie, je comprends pas. Enfin bref. Non, je ne suis pas raciste. Moi j'aime tout le monde. Tant que la personne ne me fait pas chier. C'est juste en fait les gens que j'aime pas quand ils m'embêtent. Sinon, leur religion, leur race, qu'ils soient gays ou hétéros, je m'en fous complètement. Moi, j'aime tout le monde. Je préfère un peu les gays, mais bon. Ça, voilà. C'est une blague. Alors, combien de tweets tu as? Alors ça, je sais que j'en ai beaucoup. J'aurais peut-être dû vérifier avant. Alors, des tweets... Oh, sur la nouvelle application, ils le mettent pas. Ah bah, je sais pas. Et concrètement, je dois en avoir 3000 et quelques. Pourquoi ça me le dit plus? Au pire, j'essaierai de regarder sur internet et je vous le mettrai même dans un coin, mais je crois que j'en ai plus de 3000. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter si vous voulez. Après, Instagram, Twitter ou Tumblr? J'adore Instagram. J'aime bien Twitter. Et Tumblr, ça passe. Voilà, c'est dans l'ordre. Qu'est-ce que tu passes le plus de temps à faire?
Je passe de plus de temps sur mon téléphone en fait. C'est vraiment, je suis tout le temps là à être sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, ouais. Je passe le plus clair de mon temps sur les réseaux sociaux, sur mon téléphone. Donc, voilà. Quel est ton youtubeur favori? Ben j'en ai plein, hein. Je crois que j'ai déjà répondu à une question similaire, mais j'en ai plein. J'en ai vraiment plein, plein, plein. Donc, vous dire un comme ça, bah, vous le savez, je pense, j'adore Enjoy Phoenix. Brianna Trainor, je vous en ai parlé dans mon Celebrity Crush Tag qui sera en barre d'infos. Je l'adore, c'est une américaine, je la kiffe. Y a qui d'autre? Y a Zoella aussi, j'aime bien. Enfin, il y en a tellement que voilà. Je vais en dire trois comme ça au moins, on est tranquille. Alors, combien de fois tu fais tes ongles? Genre par semaine? Je dirais deux fois. Parce que je me lave les cheveux deux fois par semaine. Et avec le rouge, je suis à chaque fois obligée d'enlever mon vernis pour me laver les cheveux. Super. Ayez les cheveux rouges. Donc, ouais, deux fois par semaine. Peut-être trois. Par exemple, si j'ai un ongle qui est un peu trop. Enfin. Qui est un peu trop écaillé, bah, je vais le refaire. Mais bon, voilà. Après. Es-tu shopaholic? Alors ça veut dire quoi? Attendez, comment j'ai essayé de faire un accent? Mais es-tu accro au shopping? Oui. Oui. Les deux endroits où il faut surtout pas m'emmener, H&M et Sephora. Voilà. Sinon, vous savez que la carte bleue part très loin. Alors, combien de fois tu as regardé Lolita malgré moi ou Mean Girls en anglais? Alors j'ai dû le regarder sérieusement 4 milliards de fois. Sérieusement, je connais par cœur la version française, canadienne et américaine. Genre, je kiffe ce film. C'est tellement toute ma vie, Lolita malgré moi. C'est. J'adore ce film. J'adore, j'adore. Est-ce que tu as acquéri plein d'affaires? Oui, mais j'ai toujours rien à me mettre. Voilà. C'est que j'ai des vêtements préférés. Je pense comme tout le monde, j'ai des vêtements préférés. Je mets tout le temps les mêmes. Et voilà. Mais oui, sinon j'ai énormément d'affaires, mais la moitié des trucs je les mets pas. Est-ce que tu prends ta nourriture en photo avant de manger? Oui. Oui. Et j'ai remarqué que c'était un vrai problème cet été, en août, quand la sœur de ma meilleure amie est venue et qu'on s'est vu, c'est qu'on a été au resto, j'ai pris ma nourriture en photo. On a été au Starbucks, j'ai pris mon Starbucks en photo, et ça 2 jours de suite. C'est là que je me suis dit que j'avais un réel problème en fait, mais je le fais à chaque fois. Donc pas chez moi, quand je mange au restaurant ou des trucs comme ça, ouais. Sinon chez moi, quand je cuisine, pas trop. Après, alors ah oui, est-ce que tu portes du make-up tous les jours? Non. En fait, vu que, enfin, quand je filme, oui, mais quand je vais à Paris, oui, mais sinon non. Quand je reste chez moi à rien faire toute seule, non. Tant que je bouge pas, je mets pas de maquillage. Et de temps en temps, ça m'arrive de sortir sans maquillage. Il faut laisser notre peau respirer aussi. Après, genre ta moyenne à l'école, donc ma moyenne à l'école, quand j'y étais, c'était pathétique. Voilà. C'est que, alors, je ne suis pas débile. Enfin, je comprends les choses, je suis capable de retenir des choses, mais je déteste l'école, donc je fais aucun effort. Mais alors. Aucun! C'est. Tu vas me dire, 1 plus 1 ça fait 2, je serais capable de te sortir 4. Juste parce que je t'écoute pas en fait. Donc voilà. Donc ma moyenne générale c'était 6. Voilà. Voilà. Maintenant vous savez que j'étais une cancre. Mais alors une bonne cancre, hein. Bref. L'avant-dernière question. Comment tu te coiffes d'habitude? Bah juste les cheveux détachés, lisses. Ou ça, en ce moment je fais beaucoup la queue de cheval parce que mes mèches de devant elles m'énervent donc je les attache. Mais sinon, normal. Et la dernière question c'est est-ce que tu es présentable tout le temps? Quand je filme, quand je sors, sinon non. Je peux être en pyjama dépareillé, j'en ai rien à faire. Je suis chez moi, je suis tranquille. Et je vais même à McDo en pyjama. Tout est dit. Donc voilà le petit tag, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à répondre à quelques questions que vous aimez bien en mettant le numéro des questions et en répondant dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. Et ben voilà,
J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits likes si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est bien de s'abonner à moi. Voilà. Je fais des tags sympas, je fais des vidéos sympas, tout ça, donc abonnez-vous à moi. Et sinon, bah, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux comme je l'ai dit dans la vidéo. Mes liens sont en barre d'infos et je vous fais des gros bisous et je vous vois plus tard dans une autre vidéo. Bye.